Bonjour à tous. En fait, c'est une surprise là, parce qu'on a annoncé Sonia comme conférencière ce midi. Sonia Bélec, coordonnatrice scientifique, a eu un empêchement. Donc, c'est Mélanie Bélanchant, directrice d'Agiro, qui va faire la conférence ce midi. Je vais essayer d'être la meilleure pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si jamais il y avait des questions que je n'étais pas capable de répondre, Sonia, ce sera un plaisir de vous répondre là, ensuite à la conférence. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu le concept là, des cartes narratives. Ça fait déjà plusieurs présentations qu'on fait là, des cartes narratives, mais j'aime bien rappeler où se situent les cartes narratives sur notre site Internet. Vous devez aller évidemment sur notre site et d'aller dans la section Apprendre et aller sur Cartes narratives et vous allez arriver sur l'ensemble des cartes narratives qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs sur des lacs, des rivières, mais il y en a aussi sur des problématiques ou encore là, sur des sujets qu'on travaille particulièrement, par exemple, Place à la nature, là, qui va parler plus de des travaux de conservation et de restauration. Donc, ce midi, la présentation est pour la rivière Nelson. Je vais tout de suite aller directement là, sur la carte narrative de la rivière Nelson avec une magnifique photo prise par Mélanie Jean avec son drone. Donc, on voit les belles couleurs d'automne qui sont déjà maintenant passées. Donc, la rivière Nelson, je ne sais pas si tout le monde la connaît ou pourrait la situer sur une carte. Elle est située dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, en amont de la prise d'eau. Si on regarde sur cette carte ici, vous allez voir apparaître la couleur plutôt saumon ou saumâtre. C'est la rivière Nelson, c'est le bassin versant de la rivière Nelson. Ça traverse en partie Saint-Gabriel-de-Valcartier, la base militaire de Valcartier et ensuite tout le quartier de Val-Bélair pour se jeter environ à 1 km en amont de la prise d'eau, mais on va le revoir très bientôt. Donc, la rivière Nelson, comme je disais, c'est une partie du réseau d'eau qui se jette en amont de la prise d'eau. C'est un territoire de 68 km². C'est quand même un petit bassin versant, mais qui a quand même un apport significatif. Là, on va le voir au cours de la présentation. Donc, c'est 20% du bassin versant de la prise d'eau. C'est aussi principalement, oui, la rivière Nelson, mais il y a aussi le ruisseau Favart qui alimente la rivière Nelson. Puis, quand on parle que la rivière Saint-Charles a un débit de 50 mètres cube seconde, en fait, la rivière Nelson, elle, c'est 10 mètres cube seconde. Donc, il y a quand même un apport important qui n'est pas à négliger dans la rivière Saint-Charles. La rivière est quand même, elle serpente quand même beaucoup, puis elle est d'environ de 30 km de son parcours. Je l'ai dit, elle sillonne le secteur au plus au nord de secteur de Saint-Gabriel, puis ensuite de Val-Bélair. Comme on voit sur cette carte-là, tu sais, tout à l'heure, j'ai déjà dit que c'était à 1 km en aval de la prise d'eau. Donc, la prise d'eau potable, si les gens ne la connaissent pas où ça se situe, c'est dans le secteur de Wendake. C'est pas sur le territoire de Wendake, mais c'est le secteur de Wendake, c'est les rues de ce secteur-là. Puis, la rivière, dans le fond, Nelson vient se jeter juste un petit peu en amont. Fait que quand on va parler tout à l'heure des problématiques au niveau de l'aménagement du territoire ou de qualité d'eau, le fait que c'est la rivière qui se jette le plus proche de la prise d'eau, son impact est significatif, puis on doit en prendre compte là, sur l'importance de protéger ce milieu-là. Donc, si vous connaissez pas la rivière Nelson, c'est quand même une rivière qui est pas très large, qui a quand même eu énormément de développement au cours des dernières années. Donc, puis il y a certaines contaminations qui arrivent de plusieurs sources, dont les carrières, les golfs, les installations septiques, et aussi, il y a eu à certains moments des contaminations par des égouts croisés. Là, on en parlera un petit peu plus tard. C'est l'occupation du sol. Nous, on fait des cartes d'occupation du sol là, depuis plus de 10 ans. Donc, on voit, on suit l'évolution du territoire avec ces cartes-là. Et on peut voir là, que la rivière, le bassin versant de la rivière Nelson, son milieu forestier est à peu près de 61,7% du territoire.
On peut penser que c'est encore beaucoup, mais souvent la statistique dit qu'à partir du moment où on diminue en bas de 10% au niveau d'imperméabilisation, ben on va se retrouver avec des problématiques de qualité d'eau. Donc, on est bien déjà dépassé ce stade-là dans le bassin versant de la rivière Nelson. Puis si on compare, des fois, on aime ça comparer avec d'autres bassins versants, mais dans le bassin versant de la rivière des Hurons, par exemple, au niveau des milieux forestiers, on est à 71%. Là, la rivière des Hurons est à Stoneham. Et la rivière Jaune qui passe à travers la Beauport et qui se jette dans la rivière Saint-Charles, dans le secteur de Notre-Dame-des-Laurentides, Charlebourg, Nord. Donc, elle est à 73% boisée. Donc, on voit là qu'elle est beaucoup plus impactée là, par les milieux ouverts et la construction. Au niveau des milieux humides, c'est un endroit où il y a beaucoup de milieux humides quand même, le 11% du territoire de la rivière du bassin versant, qui est, ces milieux-là se doivent d'être protégés. Présentement, du fait qu'il y a un règlement de contrôle intérimaire, on a une protection là, sur les milieux humides. Mais si, par exemple, cette réglementation-là n'avait pas lieu, ben, il y avait quand même une forte pression pour développer là, des secteurs résidentiels à même les milieux naturels. Il y a aussi les milieux agricoles, on va y revenir avec plus de précision tout à l'heure. Et les voies carrossables, c'est quand même assez important hein, parce que presque 5% du territoire se retrouve en milieu, dans le fond, que c'est des routes. C'est soit, il y a beaucoup la grosse autoroute, là, évidemment, la Henri IV qu'on appelle, qui va prendre une grande superficie, mais il y a quand même pas mal de routes sur le territoire là pour une grandeur de 5% du territoire. Au niveau de l'imperméabilisation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a déjà des secteurs très imperméabilisés. Vous pouvez le constater. Là, si vous voulez aller sur les cartes narratives, vous allez pouvoir aller zoomer. Là, je vais vous montrer un exemple, mais on peut aller très proche là, sur les cartes narratives puis aller voir les secteurs, voir c'est quoi qui est imperméabilisé, c'est quoi qui se considère comme des routes, des milieux humides, tout ça. Donc, je vous invite à aller après la présentation pour aller zoomer et dézoomer pour pouvoir avoir plus de précision. Mais on peut justement avoir là, les milieux imperméables, puis vous allez pouvoir constater de vous-même l'importance là, dans ce bassin-là, de notamment la base militaire, là, elle a un fort impact là, parce qu'on dit que il y a beaucoup eu de déforestation, d'imperméabilisation notamment. Il y a une diversité aussi des usages sur le territoire. Là, on doit aussi en être conscient que notamment, il y a un parc industriel sur l'avenue des Affaires à Val-Bélair. Donc, il y a quand même une diversité d'usages importante là, qui peut avoir un impact sur la qualité de l'eau. Dans les zones urbaines, si on regarde en rouge ici, c'est les résidences qui sont ciblées. Donc, la plus forte concentration de résidences est dans le secteur de Val-Bélair, ils sont situés tout près du ruisseau Savard, qui est le principal affluent de la rivière Nelson. Donc, cette concentration-là, là, tu sais, on peut la voir ici, là, le ruisseau Savard traverse ici. Et le ruisseau Savard, là, on l'a étudié par le passé, puis il y a quand même plusieurs problématiques associées justement à l'urbanisation. Encore ici, on voit une photo là, du type d'urbanisation qui se retrouve sur le territoire de Val-Bélair. On sait là, que l'urbanisation a augmenté de manière assez importante. On dit que c'est 40% qui a augmenté entre 1996 et 2016, passant de 20 390 à 28 665 habitants, mais depuis 2016, là, les cinq dernières années, il y a encore eu de la construction, du développement. Donc, ces chiffres-là, il y a sûrement encore une croissance, mais les mises à jour qu'on peut y avoir là, accès sont pas encore, on peut pas encore avoir les chiffres depuis, mais on sait quand même là, qu'il y a continué d'avoir une forte urbanisation sur le territoire. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a eu des règlements de contrôle intérimaire qui visait la protection des prises d'eau potable, notamment celle de la rivière Saint-Charles en 2010 et en 2016.
Et pendant ce temps-là, il y avait quand même eu des moratoires, puis on avait changé les pratiques, puis on avait essayé de restreindre le développement, puis s'assurer de la protection des milieux naturels dans le bassin versant. Mais suite à des négociations entre les différentes parties, les différentes municipalités du territoire, il y a eu un nouveau règlement de contrôle d'intègrement qui a été mis en place en 2019. Et ben en fait, depuis ce règlement-là, le développement a recommencé, peut-être pas de manière super importante, mais il y a quand même du développement qui se fait présentement là, dans ce secteur. Au niveau de l'agriculture, tu sais, on voit ici en jaune le milieu agricole. Vous voyez que c'est beaucoup principalement dans le secteur de Saint-Gabriel-de-Valcartier qui est à la tête du bassin versant de la rivière Nelson. Et ben maintenant l'agriculture, vous savez là, c'est à Saint-Gabriel, c'est beaucoup les dindes. Puis c'est maintenant à cause de la grippe aviaire notamment, il y a plus d'agriculture. Les dindes sont dans des lieux fermés. Donc l'agriculture n'a pas un grand impact là sur le territoire, même s'il y a quand même 2,9% du territoire là, qui est occupé par l'agriculture. Puis, on sait que le bassin versant de la rivière Nelson, jusqu'au début du 20e siècle, c'était un secteur très, très agricole qui a beaucoup évolué du fait qu'il y a eu de l'urbanisation. Donc, on a pris de la place pour urbaniser sur l'agriculture. Mais historiquement, c'était un milieu agricole. Donc, au niveau de la qualité de l'eau, là, là, on vous a parlé de l'occupation du sol beaucoup parce que faut expliquer l'occupation du sol va expliquer la qualité de l'eau. Quand on parle qu'il y a de l'urbanisation, qu'il y a des routes, qu'il y a une base militaire ou qu'il y a des fermes, ben ça peut impacter la qualité de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par expliquer les différentes problématiques et les principales occupations du territoire. Maintenant, au niveau de du suivi de qualité d'eau, je vais prendre un petit moment là pour vous expliquer. Nous, à Giroux, depuis déjà 2007, on fait un suivi sur l'ensemble du bassin versant de la rivière Saint-Charles. À la base, c'était pour connaître l'état de ce qui arrive à l'usine de traitement d'eau, puis de connaître l'impact des différents plans d'eau. Puis quand on a fait un premier portrait, on s'est rendu compte que certains secteurs étaient plus problématiques. Puis à ce moment-là, on fait des études plus approfondies sur certains secteurs. Donc, le ruisseau Savard et la rivière Nelson ont fait l'objet d'études très spécifiques au cours des dernières années. Et il y a quand même un suivi de qualité d'eau aussi qui se fait encore comme cette année, c'est une année, parce qu'une année sur deux, on fait des suivis dans les rivières. Donc, cette année, on est en train de faire du suivi. Fait que ces résultats-là sont tous compilés dans une base de données. Et nous, on suit l'évolution. On fait des recommandations aux différentes municipalités du territoire et pour améliorer la qualité de l'eau. Parce que faire ces suivis-là, ce n'est pas juste pour faire des suivis, c'est surtout pour refaire des recommandations, faire des actions pour s'assurer que la qualité d'eau s'améliore. Donc, on va voir que sur certains plans, les suivis ont eu un impact positif au cours des dernières années. Donc, si on regarde les différentes cartes, la première, c'est celle qui a eu un impact significatif. En 2007, quand on a fait notre premier suivi, il y avait différents endroits où il y avait des problématiques plus spécifiques. Là, si on regarde, par exemple, en 2007, à cette station-là, il y avait 2500 coliformes. Donc, après ça, 2009, il y avait déjà eu un gros changement. Donc, c'est pourquoi qu'il y avait des changements? Bien, souvent, c'est parce qu'on a des contacts directs avec la Ville de Québec, puis on va trouver les problématiques spécifiques là, sur le territoire. Donc, l'équipe de la Ville de Québec est allée probablement inspecter le réseau pour voir s'il y avait des branchements croisés. On parle de branchements croisés, et je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais un branchement croisé, dans le fond, c'est quand une maison est branché, a branché son pluvial sur l'égout d'eau usée et l'eau usée sur le pluvial. Donc, finalement, l'égout se retrouve directement au cours d'eau. Et ben ça, il y en avait quand même beaucoup là, par le passé sur le territoire. Puis encore aujourd'hui, il y a des suivis qui se font pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais branchement lors des constructions neuves.
Mais récemment, on avait entendu l'école là, à Lac-Beauport où le raccordement avait été inversé notamment. Donc, c'est pas des choses du passé d'il y a 100 ans ou d'il y a 25 ans. Ça se fait encore là, à l'occasion. Donc, c'est un suivi qui est essentiel par les municipalités pour s'assurer qu'il n'y ait pas de ce genre de raccordement inversé là. Donc, si on revient aux résultats, ben dans le passé, il y avait quand même une problématique assez importante sur la rivière Nelson. Mais si on regarde les résultats, on voit qu'il y a eu une amélioration. En 2019, on voit les 128 unités. Puis en 2007, 1240. Donc, on peut voir clairement que ces suivis-là de qualité de l'eau sont importants pour pouvoir faire des signalements à la Ville de Québec puis leur expliquer que peut-être qu'il y a des problématiques à tel endroit ou tel endroit. Donc, c'est vraiment en lien étroit qu'on fait ces suivis-là. Au niveau du phosphore, je ne sais pas si tout le monde connaît le phosphore. Souvent, c'est l'élément limitatif pour la croissance des algues, notamment. On parle des cyanobactéries. Mais aussi en rivière, c'est important de savoir parce que souvent, ça va être un indicateur là, qu'il y a une problématique plus importante, par exemple, d'engrais ou de même, je dirais, d'oser, là, parce que ça peut être aussi ça pourrait être de l'épandage agricole, mais ça peut être de l'engrais que les gens mettent sur leur pelouse. Donc, c'est un élément qu'on suit. Et au fil du temps, là, on peut observer aussi qu'il y a eu des dépassements de seuil à certains moments, là, puis que c'est un élément à suivre. Donc, vous pouvez encore une fois voir les différences par le passé. En 2008, on était à 30, puis la limite, le seuil de concentration utilisé là, pour la croissance excessive est justement de 30. Fait qu'on est, en 2008, on était proche. Et en 2019, on a baissé un peu, mais on est encore assez proche du seuil de concentration. Donc, c'est des choses qu'on doit continuer à suivre, puis se donner des objectifs pour atteindre et diminuer, dans le fond, nos apports en phosphore dans l'environnement. Au niveau de la conductivité spécifique, puis je dirais que ça, c'est un élément qui est important puis qui est crucial pour la rivière Nelson. Pourquoi, tu sais, tantôt, j'ai axé sur le fait qu'il y a presque 5 % de route sur le territoire du bassin versant. Et il y a une corrélation directe avec l'importance qu'il y a autant de conductivité spécifique qui est corrélée finalement avec les selles de déglaçage. Une des problématiques, en fait, qui est encore très présente, c'est que toute la partie urbanisée et jusqu'au moment où elle jette dans la rivière Saint-Charles, on voit que c'est rouge, c'est parce que les taux de chlorure sont vraiment très élevés. On voit là, que ça évolue dans le temps, là, ça c'est en 2017 et il y en a beaucoup, il y en a 60. Donc, on voit là, que ça varie autour de 130, 176, 163. Donc, c'est toujours très élevé, puis ça varie dans le temps, c'est sûr, parce qu'il y a des années plus neigeuses, donc plus vieuses, etc. Donc, dépendamment de ce qu'on a comme hiver, on va se retrouver avec un nombre de ciels, fait que ça va varier dans le temps, mais la tendance qu'on a à la prise d'eau de la Ville de Québec, je vais revenir à cette date-là après. Au niveau des ions chlorure à l'usine, on voit que la tendance depuis déjà 75 est à la hausse constante à l'entrée de l'usine. On suit les ions chlorure là, année après année. Puis si on voit, c'est pas une courbe, là, c'est une croissance qui grimpe toujours. Donc, cette problématique-là est importante à suivre parce que ça a un coût énorme de traitement. Là. On ne voudrait pas arriver à un point de rupture où il faudrait traiter l'eau qui arrive à l'usine pour enlever le sel dedans. Donc, c'est vraiment important de suivre ça. Les ions chlorure, il y a aussi, tu sais, ça amène, oui, ça c'est pas bon pour la santé humaine, on le sait, là, on veut pas boire de sel, mais c'est aussi toxique pour nombreux organismes aquatiques. Ça diminue la capacité d'oxygénation au cours d'eau, ça fait de l'eutrophisation, ça dégrade la qualité de l'eau puis ça augmente les coûts de traitement. Donc,
c'est vraiment important de changer les pratiques de déneigement sur le territoire, l'ensemble du bassin versant, parce que dans le secteur de la rivière Nelson, il n'y a pas de buffer, que j'appellerais, où il n'y a pas de milieu tampon qui va venir absorber entre le fait que ça se rejette dans la rivière Saint-Charles. Comme je l'ai dit, l'effet de proximité fait que quand l'eau sort dans la rivière Saint-Charles, ben, elle s'en va directement à l'usine et elle n'a pas de filtration possible. D'ailleurs, le sel, il y a pas tant de choses qui vont filtrer le sel s'accumule dans l'environnement et il n'y a pas d'évaporation, donc ça va finir par être une propriété. C'est pour ça qu'on voit l'effet que ça, la croissance, c'est qu'il y a une accumulation importante. Donc, c'est un défi qui est pas seulement pour la rivière Saint-Charles, là, au niveau des ions chloreurs, c'est partout au Québec. Le fleuve est impacté aussi par les ions chloreurs et on va devoir revoir nos pratiques de déneigement à l'échelle nationale. Si on regarde au niveau des risques d'inondation sur le territoire de la rivière Nelson, je sais pas ce que... vous êtes tous des gens qui connaissaient bien la rivière, mais il y a quand même des problématiques qu'il y a eu par le passé à de nombreuses occasions. Là, on a vu les gens qui sont dans le secteur, c'est ici, là, finalement, là, en orange, là, on voit qu'il y a des résidences qui sont directement, il y a près de 50 habitations qui sont en zone inondable, donc c'est récurrent. Puis là, on va revenir au fait que plus qu'on urbanise un territoire, plus qu'on imperméabilise un territoire, plus que ces zones inondables-là vont être augmentées. Parce que l'eau, à un moment donné, elle cherche à aller quelque part. Puis si on imperméabilise le sol, quand l'eau se retrouve par une forte pluie, au lieu de s'infiltrer dans le sol et être retenue par les arbres, puis qu'elle tombe sur du béton, elle s'en va directement à la rivière. Donc, quand il y a des fortes précipitations, on se retrouve avec des grosses crues rapides qu'on appelle des flash floods, là, des grosses crues et qui vont rediminuer très rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est important de protéger nos milieux naturels, que c'est important d'avoir des milieux naturels dans le bassin versant de la prise d'eau, c'est que les milieux naturels vont capter cette eau-là, les milieux naturels vont retenir l'eau, vont la filtrer aussi, vont l'épurer avant son arrivée dans la prise d'eau. Donc, plus qu'on urbanise, plus qu'on imperméabilise, plus qu'on va apporter des contaminants, mais aussi on va apporter des problématiques d'inondation. Mais on parle d'inondation, mais on parle aussi de sécheresse. Si on urbanise puis qu'on imperméabilise, mais quand l'eau elle passe très rapidement dans le système et qu'elle n'est pas retenue, quand on est en période de sécheresse puis qu'il y a une forte demande, il n'y en aura plus d'eau dans la rivière. Les nappes vont être secs autant que la rivière et il n'y aura pas d'apport. Donc, si on veut assurer, en plus avec l'impact des changements climatiques, le fait qu'on aura des périodes de sécheresse encore plus importantes et encore plus de précipitations très importantes en peu de temps, bien, tout ça fait qu'on doit être sage et on doit penser à la préservation de nos milieux naturels et de réduire au maximum cette urbanisation-là sur le territoire. Au niveau des recommandations, je viens d'en parler à plusieurs reprises. Là, il faut contrôler nos sources d'érosion, notamment réduire les apports en sédiments. Quand on fait des chantiers de construction, quand on laisse à nu des sols, ça va apporter des sédiments dans les cours d'eau, ça va amener des sédiments qui vont venir éventuellement jusqu'à l'eau potable. Donc, on veut garder le plus possible le couvert forestier pour diminuer les sources d'érosion. Aussi, les rives doivent être boisées, renaturalisées parce que ça va retenir justement les sédiments directement in situ sur place. Optimiser les pratiques de gestion des eaux pluviales, il y a des possibilités de vraiment faire beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. On a fait beaucoup de pluviales par le passé pour se débarrasser de l'eau le plus rapidement possible et l'apporter dans les cours d'eau. Mais finalement, c'est pas des infrastructures grises avec des gros tuyaux qui auraient dû être installés, mais bien des infrastructures naturelles, de faire des fossés percolants, infiltrer l'eau directement dans les milieux naturels. Parce que quand on n'infiltre pas l'eau, elle va se retrouver rapidement dans les cours d'eau, elle sera pas filtrée.
et on se retrouve avec des problématiques autant d'inondation que de qualité d'eau. Donc, à certains moments, dans la rivière Nelson, quand la rivière elle devient brune, c'est que justement, ça tout, quand il y a des fortes pluies, ça lessive toutes les rues, ça nettoie, entre guillemets, tous les sédiments qui se retrouvent dans les rues, ça s'en va dans le pluvial, puis ça s'en va directement au cours d'eau. Donc, c'est le plus possible de garder l'eau sur place, de l'infiltrer. C'est vraiment les pratiques, les meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales. Il y a aussi tout l'aspect de gestion des sels de voirie. Il faut sensibiliser les opérateurs, mais c'est pas juste de sensibiliser les opérateurs, c'est aussi de s'assurer que les villes donnent les bonnes instructions à ces opérateurs-là, puis qu'ils demandent de ne pas mettre des quantités de sel importantes. Faut être conscient que les opérateurs, ils font dans le fond ce qu'on leur demande. Donc, il y a une partie que c'est l'opérateur qui doit être sensibilisé, oui, mais il faut aussi avoir des bonnes directives de réduction là, des saines gestion au niveau des sels de voirie. Évaluer la possibilité de mettre en œuvre des mesures de réduction et d'optimisation d'entretien hivernal, c'est sûr que nous, on va continuer de travailler là-dessus. Il y a dans le bassin versant des écoroutes. Ça devrait être étendu à l'ensemble du territoire du bassin versant, les écoroutes, pour s'assurer qu'on met le moins de sel possible. Caractériser l'ensemble des installations septiques du bassin versant, en fait, la municipalité et la Ville de Québec, c'est un suivi, mais il y a possibilité de faire comme Agiro a fait les dernières années dans le bassin versant du lac Saint-Charles, de mieux caractériser, de mieux, dans le fond, on appelle ça un relevé sanitaire, d'avoir des connaissances très fines de chaque système d'installation septique pour s'assurer que est-ce qu'on doit raccorder certains secteurs au réseau d'égout, est-ce qu'on doit revoir les systèmes. Donc, c'est important là, pour la qualité de l'eau. Puis aussi, sincèrement, ça serait c'est de cesser le développement résidentiel sur installation septique autonome. On ne doit pas utiliser ça comme pour moyen de développement parce que souvent, on se retrouve avec des fortes densités d'installations septiques dans un secteur, puis ensuite, on vient contaminer la nappe. Donc, il faut vraiment être sûr à 100% quand on fait du développement qu'on va penser pour les 100 prochaines années. Souvent, quand on fait ce genre de développement-là, on pense à court terme, mais les générations futures devront gérer ces infrastructures-là éventuellement. Donc, pour un développement plus durable, nous, on préconise un branchement au réseau d'égout cette responsabilité-là ensuite de traitement est assurée par des spécialistes parce que dans les usines, il y a des spécialistes qui sont là en permanence pour s'assurer du traitement, tandis que les installations septiques, la charge est sur la personne, puis ça dépend de la bonne volonté de la personne de bien gérer ou non son installation septique. Donc, l'obligation n'est pas présente, puis c'est une difficulté épouvantable quand il y a 5000 installations septiques dans un bassin versant, comme dans le bassin versant, la rivière Saint-Charles. Donc, de gérer, de bien connaître, de bien suivre, ça devient très difficile. Au niveau de mettre à jour la carte des zones inondables, tantôt on a parlé qu'il y avait déjà une problématique d'inondation, il y a déjà une carte, mais c'est que il y a eu beaucoup de développement sur le territoire les dernières années. On sait qu'avec les scénarios de changement climatique, il y aura encore plus de précipitations et donc plus d'inondations. Donc, on recommande de mettre à jour la carte des zones inondables dans le secteur pour assurer la protection des citoyens dans le secteur. Et il est essentiel de prendre en considération aussi la vulnérabilité de ce bassin versant-là pour le développement. Donc, on l'a déjà dit par plusieurs reprises, mais du fait qu'il est proche de la prise d'eau, il y a une préoccupation d'autant plus importante de le protéger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent, les gens nous posent la question. Vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez organiser des corvées de nettoyage, se mobiliser, faire de la restauration de terrain, embarquer dans le programme de végétalisation des rives. Vous pouvez vous mobiliser pour faire des projets avec nous. Il y a différentes possibilités. Donc, ceux qui restent dans ce secteur-là et qui ont le goût de prendre en main un petit bout de rivière, on vous invite à le faire. Beaucoup de groupes sur le territoire, puis nous, on encourage ces groupes-là à se mobiliser, on les aide, on les accompagne, on
réalise des projets avec les groupes citoyens. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on dit tout le temps que le principal, c'est d'agir ensemble. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais attendre les questions. Sinon, ben, si vous avez des commentaires ou des questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter là, sur notre courriel qui est info@agiro.org.